Bonjour, nous sommes ici. Bonjour les lions, nous sommes ici pour un tirage sentimental surprise qui marche de maintenant à, on verra bien, qui sera effectif à partir de maintenant. Les lions. Oh merde. Vous êtes les premiers à avoir une mauvaise carte. Enfin non, taureau, ils ont eu une mauvaise carte sur que des bonnes cartes. La dispute, la discorde. Quelque chose qui... Ah, paix. Tranquillité sur une dispute. Transformation. On est en train de vous dire déjà pour commencer que... Premièrement, il va falloir retrouver la paix, la tranquillité par rapport à une dispute et que cela vous permettra de vous transformer, de passer de ce petit vermisseau à ce beau papillon. Hop, on vous parle de communication. D'auscultation. Et de lenteur. En deux de deck, il y a nécessité de prendre de la hauteur sur des événements. Donc nous sommes bien dans le sentimental. Suite à une dispute ou à quelque chose qui... J'ai pas envie de dire... Ouais, dispute. Quelque chose qui... On voit un verre brisé, donc c'est pas forcément une dispute. C'est peut-être un sentiment que quelque chose est fissuré, brisé. Vous devez prendre... En tranquillité, ça j'ai déjà dit. Ça, on est bon pour la première ligne. Deuxième ligne. Deuxième phase. Il va falloir... Prêtez attention aux communications et prendre son temps. Donc, c'est quelque chose d'un peu spécial parce que on est bien dans le sentimental. C'est prometteur dans le sens où vous vous transformez, vous acquérez, vous arrivez à acquérir une certaine paix, une certaine tranquillité malgré des malentendus. Ou un sentiment de bris de verre. On vous dit que c'est en prenant en tranquillité que vous allez obtenir cette transformation. Donc, il y a peut-être l'idée que cette dispute mérite quand même attention. Puisqu'après, on vous demande... C'est comme s'il n'y avait pas de... Il est plutôt positif votre jeu parce que j'ai pas le sentiment qu'il y en ait un qui résout ou qu'il y en ait un qui est tort. Puisqu'on vous demande de prêter attention aux discussions. Mais il faut d'abord que vous ayez cette tranquillité d'esprit, cette transformation, que vous repreniez confiance en vous et que vous fassiez attention aussi bien à ce que vous émettez dans les communications qu'à ce qu'on vous dit. On vous demande d'y aller lentement et sûrement. C'est aussi un peu l'autonome. On vous demande d'être autonome. On vous parle de prise de hauteur, donc c'est ce qui est en enjeu. Donc il n'y a rien de négatif. Ce qui est positif, comme je vous l'ai dit, c'est que vous prenez en tranquillité et que vous vous transformez. Donc, soit il est question d'être plus autonome dans une relation, d'être... de continuer je ne vois pas de mauvais présages. S'il y a eu dispute avec quelqu'un, je ne vois pas de mauvais présages vis-à-vis de cette personne du tout. Voilà. Je pense juste qu'en fait on vous demande d'y aller lentement et de vous investir par rapport à vous, à votre épanouissement.
voilà, s'il n'y a personne, on vous dit que de toute manière, vous êtes en phase de transformation, qu'après, ce qui vous est demandé pour, entre guillemets, attirer ou reprendre des relations saines, c'est de veiller aux communications, d'être attentif à ce qui rentre, à ce qui sort, à ce qui est dit, et d'y aller mollo, en gardant une forme d'autonomie et de hauteur. Tiens, on a un deuxième dos de deck. Il y a encore l'idée de choisir entre, je dis encore parce que le bélier l'avait aussi, entre le passé et le futur. Là, il y a quand même une tendance à aller vers le futur. Lui, il va vers le futur. Il y va lentement, mais sûrement. On vous dit que les disputes, elles sont derrière. Ok ? Mais ça, il faut l'accepter. Et il faut réanalyser votre mode de communication, les lions. Ouais, bon, on peut mieux faire, mais il n'y a rien de dramatique. Je vous dis armoire et on me dit trop, 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 trop.